Thank you.
Mille merci pour eux. Diane de Floque, Neven Rhythmatic, première danseuse et soliste du ballet du Théâtre National de Bordeaux. Vous venez de voir un extrait du duo du second acte de la Sylphide. Merci, bravo et bon retour. Merci infiniment. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, nous sommes au cœur des passions romantiques. On est en 1836. C'est vraiment le début de cette façon de penser le monde, de ce présent évidemment insatisfaisant et de cet idéal inaccessible, hein, fantasme encore très présent. En matière de danse, ce ballet, la Sylphide, 1832 puis 1836, c'est la version que vous verrez, est une matrice des ballets. Du grand répertoire romantique que l'on verra ensuite. Le grand acte blanc, il est né là avec la Sylphide. Et ce sera une grande première à Poitiers que de recevoir le ballet du Théâtre National de Bordeaux. Vont participer aussi cette saison, pour présenter cette saison plusieurs personnes de l'équipe que j'invite à venir nous rejoindre. Et que je vais vous présenter rapidement, mais vous voyez leur nom déjà derrière moi. Alors, Aldric, Juliette, Bernard, Corinne, Véronique, Ingrid, Élise, Emmanuel, Christophe, Lola et Louis. Cette soirée est aussi interprétée en langue des signes française par Linda Dupuis et Frédéric Bouchard de l'Association de langue pour une éducation. Merci à elle.
Par ailleurs, bien sûr, tous ces spectacles, toutes ces activités ne sont possibles qu'avec des financements publics. Vous voyez nos financeurs institutionnels publics s'afficher derrière nous, au premier desquels on retrouve évidemment Grand Poitiers. Merci à eux de leur fidélité, de leur soutien. Merci à Poitiers qui demeure propriétaire de ce bâtiment avec les charges du propriétaire. Le ministère de la Culture, c'est la DRAC Nouvelle-Aquitaine et merci pour sa fidélité aussi, absolument indéfectible. Et enfin, la région Nouvelle-Aquitaine. Merci aux représentants de ces collectivités de leur présence ce soir. Et puis, bien sûr, vous le savez, notre présence aussi s'articule, se conjugue avec des mécènes privés. Vous les voyez derrière moi. Merci à eux. Alors, pour le coup, eux, ils peuvent changer de temps en temps. C'est normal, ce n'est pas du tout le même rapport. Et une série impressionnante de partenaires privés aussi, de mille façons. Hein, je ne peux pas les expliquer tellement ils sont nombreux. Ce sont des organismes, ce sont des personnes, des commerces aussi, des entreprises. Et c'est très bien comme ça. Enfin, évidemment, le TAP, Association Loi 1901, est encadré, régi, conseillé, observé par un conseil d'administration qui est très fidèle et qui est un sacré soutien, notamment son président Jean-Claude Martin et tous les membres que je tiens à remercier chaleureusement. Un bonheur ne venant jamais mais seul, on va pouvoir assister ensemble à la bande-annonce de notre saison. Vous allez l'entendre au cours de cette soirée, notre saison est vraiment placée sous le signe d'un certain nombre de changements. Et en ce qui concerne le bar auditorium et la façon dont nous avons de vous recevoir, vous verrez aussi qu'en cours de saison, nous allons modifier profondément et artistiquement sa décoration. Ça, c'est à venir, ça sera visible plutôt à partir de janvier. En revanche, dès maintenant, nous allons aussi changer notre rapport à la restauration, et je sais que ça nous importe. Et j'invite volontiers Sizou à me rejoindre pour nous présenter. Bienvenue à toi. Et nous dire en quelques mots, Sizou, ce qu'on va pouvoir enfin. Alors, je peux ajouter que tout de même, François et toi, tenez un bar à vin à Saint-Georges-les-Baillargeaux, que je vous conseille à tous, qui s'appelle le Divin, et que c'est une sacrée caverne d'Ali Baba, d'un millier de choses, alcoolisées ou pas d'ailleurs, c'est pas la question, mais extrêmement sélectionnées, choisies, amoureusement sélectionnées, c'est le moins qu'on puisse dire, et suivies, elles ont tout un nom, on sait toujours qui les fait, comment il les fait, pourquoi il les fait, enfin vraiment, c'est quelque chose qui vous ressemble, ça. Et donc, comment cet esprit-là va se transporter dans le bar auditorium? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va manger? L'idée, c'est de partager avec vous nos découvertes. C'est vrai qu'avec François, nous sommes passionnés par les choses que nous proposons à nos clients, que ce soit des vins, des spiritueux, des bières artisanales, mais également de l'épicerie fine. On est passionnés par tout ce qui est gastronomie. Donc, on va vous proposer toute l'année à manger en circuit court, principalement végétarien. On travaille avec des maraîchers qui sont dans la région. Et puis, des vignerons, des vigneronnes, des artisans qui sont passionnés également. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous y retrouver, partager avec nous nos découvertes et surtout prendre du plaisir. Voilà. C'est bien. Et du coup, peut-être tu peux être un tout petit peu... Voilà, déjà, ouais. Il y a quelque chose qui passe quand même.
Est-ce que tu peux nous dire peut-être très simplement quel type de nourriture on va trouver, ce que ça ressemble à quoi? Oui, bien sûr. Alors, cassoulet. On ne va pas faire des plats, évidemment. L'idée, c'est que vous puissiez vous restaurer assez rapidement, que ce soit sur les entractes ou avant ou après les spectacles, car ce sont les moments où nous serons présents, sur de la restauration rapide, mais bien sûr de qualité. On travaille avec le boulanger qui est à Magenta, la boulangerie de Jules, pour du pain frais, des belles quiches de saison. Nous allons réaliser des sandwichs également végétariens un petit peu au fil des saisons, des soupes l'hiver, des desserts, enfin voilà, des choses simples mais goûteuses. On travaille également avec la champignonnière de Bernazé qui va vous proposer des tartinades véganes à base de champignons. Également des producteurs en Indre-et-Loire qui font des tartinades à base de chèvre et tout un tas de surprises qu'on pourra vous proposer en fonction des spectacles également parce qu'on va essayer de s'adapter. Bon, bah c'est bien, c'est déjà un bon teasing ça. Voilà. Merci infiniment, Cézou. Merci beaucoup. Et donc cette soirée est évidemment une sélection hein, de spectacles qu'on va vous présenter et se construit en quatre thèmes par lesquels nous avons cherché à vraiment à exprimer l'esprit qui va présider au spectacle et aux activités. C'est une saison qui fait la part belle à la co-construction, qui fait la part belle à la jeunesse, qui va permettre de se retrouver, de participer, de penser ensemble. Et enfin, ce sera aussi une saison très largement au féminin. Alors commençons par la co-construction. Donc cette saison placée plus que jamais sous le signe du partage, de la coopération, c'est peut-être moins visible pour vous, mais je tiens vraiment à le dire, va beaucoup s'exprimer aussi par la musique. Vous savez, la musique, c'est le cœur de notre projet, et au cœur de notre projet, les trois orchestres associés. Ces orchestres associés vont être plus impliqués que jamais dans la programmation, évidemment de leurs propres concerts, mais aussi d'autres concerts qui seront leurs invités dans le programme du TAP. À ce titre, le premier des orchestres sera l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, et on va en reparler, puis viendra Ars Nova la saison prochaine, et enfin l'Orchestre de Chambre des Champs-Élysées la saison d'après, qui seront les invitants, en notre nom, de gens qui les importent, qu'ils estiment et qu'ils ont envie d'inviter ici. En théâtre, c'est une nouvelle forme de coopération. On en avait déjà parlé un peu l'année dernière avec le Centre Dramatique National, Pascal Daniel Lacombe. C'est une chose qui s'est charpentée, qui s'est écrite et qui s'exprimera sur les travaux de Pascal en personne, puis des travaux choisis en coopération, en co-construction, en co-réalisation. Ça c'est le mot plus juste en matière de spectacle. Et des artistes que nous avons, que nous allons suivre, que nous allons mutualiser nos moyens sur deux jeunes artistes dont nous vous reparlerons. Voilà, enfin, avec vous, et c'est pas le moins important, comment mieux se connaître, comment parler des sujets de société, des sujets qui sont induits ou vraiment fléchés par les spectacles. Nous allons donc vous solliciter pour donner votre avis, mais pas sous une forme de conférence avec quelques questions à la fin, vraiment une forme où tout le monde pourra s'exprimer ensemble, d'où l'importance aussi de ce foyer auditorium qui sera bientôt rénové, grâce d'ailleurs à des crédits d'investissement dont je n'ai pas parlé, mais on a trouvé de l'investissement récemment pour la transition énergétique et pour le réaménagement de ce foyer auditorium. C'est important, ce sont des sommes importantes, donc il faut remercier là aussi nos financeurs institutionnels. Et donc dans ces discussions que nous souhaitons sur certains sujets, qu'on a appelé tout simplement blablatap, nous en reparlerons tout à l'heure, mais en matière de co-construction, Christophe, tu commences peut-être à nous parler de la maison de l'architecture, et puis ça coche deux cases d'ailleurs, c'est une femme aussi qui joue. Ok. Alors, bonsoir à toutes et tous. Oui, effectivement, en matière de co-construction, parce que c'est à peu près 32%, je crois, on a compté, 32% du programme qu'on vous présente cette année, il est construit de cette manière-là. Et la Maison de l'Architecture va être un très très bel écrin pour ce superbe solo de Soa Ratsifandrihana, que vous avez peut-être vu ici, c'était en 2019, dans le spectacle d'Anne Teresa de Kersmaker, Phase, c'était une des deux danseuses. Dans ce solo, Soa, elle cherche à représenter le groove, ce terme vient de l'argot, il est très lié au jazz et au swing, donc c'est donc un solo sur le rythme, un solo sur la pulsation, c'est un solo très précis, un solo aussi très sensuel,
et soit elle mélange les influences, notamment les danses traditionnelles malgaches, dont elle a hérité par sa famille, et puis la danse contemporaine d'Anne Teresa de Kersmaeker. Elle a été évidemment une de ses élèves, et puis elle est devenue une de ses interprètes d'exception. On regarde le teaser de Groove. C'est quelqu'un qu'on connaît bien à Poitiers. C'est un metteur en scène iconoclaste qui écrit un théâtre de fédérisme non habituel, de fiction documentaire qui parle de l'intime, de la vie des personnes. Souvenez-nous, vous, on a pu le découvrir au TAP la première fois dans Finir en beauté, où il racontait la fin de vie de sa mère. Et puis, plus récemment, dans cette pièce monumentale qui explore la culture ouvrière, Stadium, avec ses 58 supporters du Racing Club de Lens, ici même sur ce plateau, et bien sûr, la baraque à frites. Dans Guardian Party, qu'il a écrit avec Valérie Vregène, il donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais, les gardiens de musée. Ils seront 6 venus de musées internationaux. Il y a le Centre Pompidou, mais aussi le MoMA à New York, ou encore l'Ermitage, etc. Et c'est à partir d'anecdotes et de souvenirs que ces gardiens, à la fois drôles et vraiment très attachants, nous racontent leur vie au musée. Par exemple, il y a la gardienne du musée de l'Ermitage qui, pour tromper l'ennui, passe ses journées à tricoter des écharpes, des pulls, en reproduisant les œuvres qu'elle a sous les yeux. Et vous verrez, son écharpe de Mondrian est vraiment très très réussie. Ce spectacle se joue bien sûr dans un musée, co-construction ici, c'est au musée Sainte-Croix qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Quant à moi, j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir ce spectacle. Sans transition, la musique est Bernard. Happy birthday, bonsoir. Happy birthday parce que oui, le week-end électro a 10 ans cette année, fête ses 10 ans, et quand on parle de co-construction, ça en est vraiment l'exemple parfait, puisque nous l'avons conçu dès le début, et pensé dès le début avec le Confort Moderne, qui est la salle de musique actuelle, célèbre salle de musique actuelle de notre ville. Et pour fêter ses 10 ans, rien que mieux, pour cette première soirée du festival, qu'une programmation au Confort, avec les deux têtes chercheuses de la scène française, que sont Léonie Pernet et Lucie Antunes, toutes deux percussionnistes formées au conservatoire et qui très vite ont bifurqué vers une musique électronique. Elles sont d'ailleurs signées sur le même label, le label Infine, qui est un très beau label de musique électronique, qui est à chaque fois hybride et qui va aussi sur l'électro, mais aussi vers d'autres styles de musique plus instrumentaux, peut-être. Et pour dire deux, trois mots, la musique et le concert de Lucien Tunès sont de véritables épopées. C'est très grand, c'est très fouillé, c'est très écrit. Et en même temps, il y a quelques zones d'improvisation. Peut-être que Lucie crée la musique la plus énergique, la plus passionnante du moment sur la scène actuelle. Léonie Pernet, quant à elle, crée une musique plutôt cold wave, qui mélange à la fois de manière très intelligente la chanson et ses origines gnawa. Sur scène, bien sûr, au Confort Moderne, debout, parce qu'on aura besoin de danser pour les écouter. On a un petit extrait. Lourd du cime, je pose
Bonsoir. L'équipe de médiation culturelle accompagne chaque saison de multiples opérations de médiation pour les publics les plus diverses. Nous construisons ce programme avec nos partenaires, les orchestres associés bien sûr, les artistes de la saison, mais aussi les acteurs du territoire, les établissements scolaires et autres, et les associations. Nous sommes là pour imaginer ensemble ce format propice à ce croisement entre vos envies, les envies des artistes aussi bien sûr, et les pistes de programmation. Ces actions elles peuvent prendre diverses formes, les échauffements que vous connaissez peut-être, les ateliers, les visites, les conférences, les répétitions, etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples, simplement. Peut-être l'occasion cette année d'intégrer la chorale occitane du TAP, qui sera donc menée par le groupe Poitevin à Bâle, que vous pouvez voir lors d'un concert en concert sandwich ici au TAP. Un autre exemple aussi, les amuse-bouches. Les amuse-bouches, nous les construisons avec nos orchestres associés. Ce sont des conférences ludiques de sensibilisation à la musique qui va cette année se passer en tournée dans les médiathèques de Grand Poitiers. On est très contents. La médiation, c'est aussi des projets au long cours. Deux exemples. Nous avons le chorégraphe chercheur Volmir Cordero qui, lui, va intervenir à l'Université de Poitiers avec l'atelier de recherche chorégraphique pour une création intitulée Quemada, les Brésiliens, d'où le nom. La danseuse et chorégraphe Mathilde Bonicel, elle va intervenir sur le territoire de Vouneuil-sous-Biard. Elle sera accompagnée d'un musicien de l'orchestre de chant Nouvelle-Aquitaine et va donc sensibiliser les jeunes, des écoliers, des collégiens et un EHPAD pour le projet Musique Encore. Tout le programme de médiation, vous pouvez le retrouver sur le site du TAP, bien sûr, mais aussi dans la brochure, et puis surtout, contactez l'équipe de médiation, nous sommes à votre disposition. Merci Manu. À deux, ou à trois, à quatre, on va définitivement plus loin, et en l'occurrence, le TAP explore aux côtés de l'association Jazz à Poitiers toute la richesse des musiques improvisées, de la scène des musiques improvisées, et c'est le cas avec ce concert de Myotis 5, qui est un concert du batteur Anthony Laguerre, qui lui vient plutôt du rock progressif. Et pour l'occasion, il a créé une bande-son de musique de 50 minutes avec les percussions de Strasbourg. Les percussions de Strasbourg, c'est probablement l'ensemble de musique savante, dite savante, le plus innovant, le plus curieux, le plus aventureux de la scène actuellement. Et ensemble, ils sont cinq percussionnistes, ils explorent l'immensité, toutes les possibilités du son des batteries et des percussions. Tout ça, ça sera ici, sur le plateau. Vous verrez donc, tout au long de la saison qu'on aime bien vous surprendre. On transforme un peu les lieux et en l'occurrence, vous serez avec eux sur le plateau pour pouvoir les écouter. C'est d'une grande finesse au niveau de la diffusion du son. Et chaque fois qu'on voit le concert, moi c'était mon cas, tous les spectateurs en ressortent en disant que c'est une véritable expérience physique qu'il faut vivre vraiment en concert. Donc d'où la force du concert. Et avec le Centre socio-culturel de la Blaiserie, nous avons l'habitude depuis quelques années d'explorer les grands noms du rap de la scène française. Donc nous avions programmé Gaël Faye, Giorgio, Oxmo Puccino ou du rock, notamment avec le groupe Feu Chatterton la saison dernière. Et nous nous sommes arrêtés cette année ensemble sur un nom que nous voulions absolument inviter depuis plusieurs années, qui est Kazé. Kazé, c'est une rappeuse qui est issue donc de la scène du 93, on va dire. Elle a commencé avec La Fouine, La Rumeur, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la scène rap. Mais très vite, elle a pris des chemins de traverse et en l'occurrence, elle est sur scène depuis 20 ans. Elle a installé son flow, elle a installé sa plume, elle a installé sa personnalité. Vous verrez dans les images qu'elle a une sacrée personnalité. Et en l'occurrence, avec ce projet-là, Rose Gang, elle revient avec un projet qui mélange le rap et le rock. Pourquoi ? Parce que ce sont deux musiques issues des cultures afro-descendantes. Pour elle, c'est très important de les lier. Et bah, il faut la voir sur scène, c'est juste une bête de scène. Et rock et rap mélangé, bah, c'est forcément un super combo. On a des petits extraits. Quand on enseigne ce que tu touches, tu le rends sale, t'es bancal. Tais-toi quand les gens parlent, t'es rebelle, t'es licencié, sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. Ils t'éclairent de leurs mille lanternes, ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite, bonne conduite, marche droit.
Merci. Alors avec Jean-François Esser, directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, nous allons reparler de cette nouvelle implication de l'orchestre associé dans la programmation du TAB. Mais peut-être tout d'abord, Jean-François, les trois concerts que vous allez donner au nom et avec l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine. Le premier, c'est ce fameux concert Chopin-Schumann, au piano Marie-Ange Gouchy. Le second, c'est Mozart-Beethoven avec, je veux le souligner à chaque fois, une chef à la baguette, Corinna Niemeyer, et le troisième, Webern, Berlioz, Mendelssohn, Urel, à nouveau une chef japonaise, Kanako Abe, et la belle mezzo, Isabelle Druet. Est-ce que là-dessus, tu veux éclairer quelque chose de particulier, s'il te plaît ? Bonsoir à tous. Effectivement, cette année, un programme, donc les trois programmes de l'OCNA, extraits de notre saison, de l'orchestre, vous propose une partie très belle, aux interprètes, aux chefs CHEVF, puisque, comme vous le savez, la profession de chef de FES est en pleine explosion. Et c'est formidable. Voilà, en quelques années, on va dire que c'est presque une révolution post-Covid. Et on est très heureux de participer à ce mouvement et de vous faire découvrir des grands talents, donc avec Kanako Abe au mois de mai dans un programme consacré à la thématique des nuits d'été, qui nous permettra de retrouver une grande mezzo-soprano qui a joué sur toutes les grandes scènes, notamment dans Berlioz, Isabelle Druet, originaire de la région, et puis Corinna Niemeyer, jeune chef d'orchestre allemand en poste à Luxembourg, dans un programme très classique, bien sûr, Beethoven, Mozart, avec formidable équipe soliste, vent de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Très bien. Peut-être un mot alors, sur les orchestres que tu as invités au nom du TAB, dans le cadre de cette nouvelle collaboration avec vous. L'ensemble Jupiter, je le prends de façon chronologique, mais on peut y revenir. L'ensemble Jupiter dans un programme Vivaldi Händel, avec le fameux luthiste Thomas Dunford, qu'on a déjà vu ici d'ailleurs, et cette magnifique mezzo Léa Desandré, dont on va voir un extrait, et c'est très bien comme ça. L'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, parce qu'on a vraiment souhaité faire la fête à l'Opéra de Bordeaux et à son nouveau directeur, Emmanuel André, avec et l'orchestre et le ballet que vous venez de voir. Debussy, Sibelius, enfin, c'est rarissime ici et c'est vachement bien. Tchaïkovski, une chef polonaise, Marzena Diakoun, allez. Et les musiciens de Saint-Julien, là, c'est des gens qu'on connaît aussi, dans un très joli programme Purcell, François Lazarevitch et Tim Mead comme contre-ténor, qui est une merveille. On a anticipé sur le départ très regretté d'Elisabeth II, puisque ce sera un programme consacré à Purcell, le musicien de la cour d'Angleterre. Est-ce que peut-être tu veux bien qu'on regarde, est-ce que tu as quelque chose à dire ou on regarde le petit extrait de Jupiter ? Avec Jupiter, bien sûr, je ne saurais que trop encourager à venir en masse, puisque c'est un ensemble extraordinaire avec des musiciens d'exception. Bien sûr, Léa Desandre qui fait le tour de toutes les scènes internationales, et l'incroyable Thomas Dunford, luthiste et théorbe, c'est un ensemble, plutôt un collectif, je dirais plutôt qu'un ensemble d'exception. On regarde ce petit extrait, on revient pour parler de piano. C'est une voix, hein.
Somptueuse, somptueuse chanteuse et très bel ensemble. Alors, en piano, et tu es pianiste. On t'a fait jouer ici. Je me souviendrai toujours, en arrivant ici, tu avais cette fibre hispanique. Je t'ai demandé si tu pouvais jouer Iberia. Et tu l'avais accepté, tu en avais joué une grande partie. Et c'était magnifique, je t'en remercie encore. Et en parlant de piano, donc du coup, cinq concerts dans le cadre de cet événement Piano-Piano que nous avons testé avec vous l'année dernière et qui était vraiment intéressant, qui donne une image du piano jeune, polymorphe, enfin vraiment, je pense, du piano moderne. Et tu réponds parfaitement à cet esprit avec cinq concerts, tu oses, où on retrouve des noms magnifiques comme David Kadouch, Anne Kefelec, Alain Planès avec le baryton Stéphane Degout, un concert Stockhausen, excusez-moi du peu, avec toi-même et Jean-Frédéric Neuberger, et une soirée extraordinaire où moi j'ai envie que tu nous expliques un peu pourquoi tu l'as souhaité, en tout cas elle m'enchante, où les cinq pianistes en question vont eux-mêmes nous parler de leur piano, donc on va faire venir des pianos anciens, voire des pianos uniques ou assez extraordinaires, pour vous expliquer à l'auditorium qui sonne à merveille pour les pianos, pourquoi ces artistes-là vont expliquer pourquoi ils ont choisi ce piano-là, pourquoi celui-ci a une telle sonorité et pourquoi ils s'y attachent tant. Oui, je crois qu'il faut témoigner d'un mouvement, je vais donner à peine, de plus en plus important, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir comment sonnait la musique à l'époque de Beethoven, à l'époque de Schumann, de Brahms, de Debussy. Et pour cela, ben, on a aujourd'hui des instruments, comme pour les cordes, des instruments qui témoignent d'une sonorité d'époque, et il faut absolument faire partager à un public des sonorités qui sortent un petit peu du son. Je ne veux pas dire stéréotypé, ce serait un petit peu trop péjoratif, mais effectivement, du piano standard, très beau, qu'on a aujourd'hui dans toutes les salles de concert, mais faire entendre des sons différents. Et on peut imaginer à ce moment-là que c'est quand on est Chopin dans son temps, ou Schumann, voilà, ce qui correspondait effectivement à ces instruments. Et je suis très heureux qu'on ait pu assembler une petite collection modeste. En tout cas, sur deux jours, ce sera l'occasion de partager une expérience assez intéressante. Donc on va faire voyager des pianos comme des artistes, vous voyez, absolument, encore plus, de façon encore plus précautionneuse que des artistes d'ailleurs, c'est incroyable. Donc merci infiniment pour tout ça, et si tu veux bien, on se quitte sur un extrait, c'est David Kadouch dans ce programme romantique, décidément, c'est aussi un thème de la soirée. Très joli disque sur le thème de Madame Bovary, ce qu'aurait pu entendre Madame Bovary de son vivant, et David Kadouch, très beau pianiste aussi, le fait à merveille, c'est un très beau disque que j'avoue, enregistré au tape, j'y peux rien. Merci beaucoup Jean-François. Deuxième séquence de la soirée, une saison pour la jeunesse, puisque une nouvelle saison du TAP, c'est aussi une saison pour la jeunesse. C'est un des fils conducteurs du projet de la maison, en cohérence bien sûr avec tous les jeunes et les étudiants qui habitent cette ville, qui la font vibrer. Alors parmi nos grands rendez-vous, le Festival Accor, qui rassemble artistes professionnels et jeunes étudiants du monde entier, qui s'engage pendant 10 jours dans une aventure artistique et chorégraphique. Le Festival 22, ça a été une grande fête, après 2 éditions annulées. Donc cette fête, elle a confirmé la place singulière qu'a ce festival, qui est tout entier consacré aux représentations du corps, aux représentations contemporaines du corps. Un festival qui, bien sûr, fait la part belle à la danse, mais qui s'ouvre aussi à la performance, au cirque, au théâtre. Ce festival, on l'organise à 3 partenaires, l'Université de Poitiers, le Centre d'animation de Beaulieu, et le TAP. Le Festival 23, il va
consacrer une part importante de sa programmation à la relation entre la voix chantée et le corps. Ce sera par exemple le cas avec Meutemaker, ce spectacle féministe, assez fantaisiste aussi, de la chorégraphe Flora Détraz. Ce sera aussi le cas du spectacle de François Chéniaud, une pièce de groupe qu'il a co-écrite avec Geoffroy Jourdain, le chef de l'ensemble Les Cris de Paris. Ensemble, ils ont rassemblé un casting fait de chanteurs et de danseurs. Ils ont inventé une danse polyphonique, qui est une sorte de cérémonie sans fin, qui célèbre la vie à partir de ce qui disparaît. Ça s'appelle Tumulus. Et puis, il y aura des nouveaux venus. Il y aura la chorégraphe irlandaise Una Doherty, avec son solo percutant qui puise dans les gestes des Bad Boys de Belfast. Il y aura aussi Erwan Akyunlarcher, qui mêle le cirque, la performance, et qui met son corps en danger dans cette pièce ruine, pour un peu tester comme ça cette urgence de vivre. Je pense aussi à la chorégraphe Rochelaise, Alice Kinn, pardon, pour la nommer, qui du coup, elle, explore tout un travail autour de la disparition, de la mort, un travail assez étonnant, et de la relation aux fantômes. Bon, je ne peux pas citer tous les artistes du festival, ils défilent derrière moi, j'attire juste votre attention sur la pièce de clôture, c'est celle qui est signée par Yann Martens, jeune chorégraphe belge, ça s'appelle « Any attempt will end with Crushed Bodies and Shattered Bones ». Alors ce titre étonnant, il l'a emprunté à Xi Jinping, qui en 2019, au moment des manifestations à Hong Kong, avait prévenu tout simplement que toute manifestation, toute tentative de révolte se terminerait par des corps brisés et des os écrasés, ou plutôt le contraire d'ailleurs. Mais peu importe, c'est un programme qui est très clair, et Yann Martens y répond avec une pièce très percutante, qu'il a adressée à toutes les formes d'oppression. Donc cette pièce, c'est vraiment une grande pièce pour 17 interprètes qui, lors de sa création à Avignon 21, avaient vraiment été retentissantes. Un dernier rendez-vous peut-être à garder en tête sera le 31 janvier à 19h. On vous présentera la programmation de tout le festival. Et en attendant, on va regarder trois extraits parmi les 15 spectacles du festival. Castille le matin ou le mercredi en début d'après-midi, vous allez sûrement croiser de nombreux jeunes spectateurs venus avec leur classe, leur accueil de loisirs ou leur maison de quartier pour découvrir des chefs-d'œuvre du patrimoine, des films d'actualité, participer à des ateliers, des ciné-quiz, des ciné-goûtés ou voire même rencontrer des réalisateurs. Et pour certains d'entre eux, même, ça sera peut-être leur première expérience de la salle de cinéma et c'est vraiment important. Alors tout au long de l'année, il se passe plein de choses au TAP Castille. Que ce soit en temps scolaire comme hors temps scolaire, et je vous invite donc à découvrir ça dans le programme cinéma hebdomadaire, ou bien dans notre très beau programme jeune public qui vient de sortir et qui couvre la période septembre-décembre. De cette programmation jeune public, mais aussi tout public, comme des grands rendez-vous à venir, nous vous en parlerons mardi prochain, le 20 septembre, avec toute l'équipe cinéma, et ce sera suivi à 20h30 de l'avant-première d'un premier long-métrage, Le sixième enfant,
que nous sommes ravis de vous proposer. C'est donc ce premier long métrage d'un tout jeune réalisateur qui s'appelle Léopold Legrand, qui nous fait l'amitié de revenir à Poitiers. Peut-être vous l'avez découvert ici même en 2017, il avait obtenu le grand prix du jury pour son court métrage d'école Angelica. D'ailleurs, ma collègue Juliette vous parlera de la prochaine édition du Poitiers Film Festival dans un instant et des peut-être futurs autres Léopold Legrand. Mais en attendant, je vous laisse avec la bande-annonce du film. Monsieur Meyer, vous dites ? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer est là qui souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence ? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. Ça va faire 6. Ils vont faire quoi, du coup ? Elle va avorter ? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous arrivez pas à en avoir, enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là ? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et il voulait combien ? Que tu veux acheter un gosse ? On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il est pas venu, votre mari, là ? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit, normalement ? Parce que c'est un enfer. Je me demande s'il sait, lui, si elle fait pas tout ça sans lui dire. Toi, t'es sûr que tu veux ? On a le choix. C'est quoi, cette histoire ? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant, t'es d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça ? Parce qu'il y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète ? Une vie sans enfant, la chambre vide, là ! C'est sur quelle planète qu'on voit ça ? T'en fais plus ! On va les brûler en enfer. Non, c'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. Y a aucune raison que personne sache quoi que ce soit. Anna ? Alors, au Poitiers Film Festival, la jeunesse, c'est celle de la création elle-même, celle des réalisateurs et des réalisatrices dont nous découvrons et défendons les toutes premières œuvres dans la sélection internationale. Cette année, nous avons reçu 1300 films. Nous en avons retenu 40, les plus singuliers, drôles ou graves, qui vont composer le programme de la semaine. Le festival, cette année, sera aussi solaire et musical. On va voyager du côté du Portugal en quelques films contemporains autour du thème de l'été. Des films qui traversent le pays de Lisbonne à Coimbra, qui parlent de jeunesse et de tradition. C'est vraiment l'occasion de découvrir la vitalité, l'humour et la mélancolie du cinéma propre à ce pays. Le Festival 2022 fera aussi une place d'honneur à la comédie musicale à la française. Je vous invite à venir revoir en grand et en famille les Demoiselles de Rochefort, et aussi à rencontrer les auteurs qui ont investi ce genre tout récemment. Nous allons accueillir Noémie Lovski, les frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie, ainsi que Serge Boson, qui viendront ici même nous en parler. Vous verrez donc des masterclass, des séances jeunes publics, des ciné-sandwich, et puis vous pourrez vous-même danser et chanter lors d'un échauffement collectif ou d'un karaoké géant, pourquoi pas. Et puis vous pourrez rêver dans le ciné-concert de Florent Marché. Voilà ce que je peux vous dire du Poitiers Film Festival cette année, c'est qu'il invite le soleil et la fête à l'entrée de l'hiver. Et Véro, sur les tarifs, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh bien, plein de choses, Juliette, bonsoir. Plein de choses, des nouveautés sur le Poitiers Film Festival pour soutenir toutes ces belles propositions que tu viens de nous faire. Une nouvelle politique, comme vous pouvez voir derrière moi, avec un tarif réduit à 5,50€ pour toutes les séances, quelles qu'elles soient, pendant tout le festival, 10 jours quand même. Et pour les plus gourmands, ce qu'il y en a toujours, et on espère qu'il y en aura beaucoup, 2 passes rechargeables, 1 pass à 20€ pour 5 places en plein tarif, et 1 pass à 15€ toujours pour 5 places en tarif réduit. C'est très simple tout ça. C'est simple, hein, oui. On ne pouvait pas faire plus simple. Bah, voilà. Et pour le cinéma ? Alors, pour le cinéma, je pense que c'était important de vous rappeler les tarifs, hein, toujours pour accompagner la programmation qu'Aldric vous a montré tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir donc sur derrière moi, des tarifs réduits, voilà, tout au long de la saison. Mais surtout, je voulais vous rappeler les 2 cartes cinéma. La carte cinéma 10 places à 55€ qui est valable un an de date à date, qui est non nominative. Vous pouvez venir avec qui vous voulez, qui vous souhaitez, famille, amis. Et une petite nouvelle, une petite dernière,
la carte culture cinéma, 5 places pour 20 euros, avec pareil, le même mode de fonctionnement. L'étudiant peut venir avec des amis, famille, voilà, être accompagné de qui il veut. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la carte culture, c'est un dispositif pour les jeunes de 16 à 26 ans de Poitiers. Et pour tous les étudiants de l'Université de Poitiers, et la petite nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de conditions d'âge pour ces étudiants. Pour l'obtenir, il suffit simplement d'aller sur le site de la carte culture et de vous inscrire. Voilà, et puis on est très heureux de vous annoncer que courant 2023, je ne mouille pas trop comme tu peux le voir, pour le cinéma, nous ouvrirons enfin les ventes de places sur Internet, de cartes, vous pourrez recharger vos cartes, voilà. Et pour le Poitiers Film Festival, ça arrivera un petit peu plus tard, en novembre et décembre 2023, voilà, tout simplement, sur la saison prochaine. Voilà, en attendant, l'équipe d'accueil donc, qui est composée de Marie, James, Léanie, Dylan et Claire vous attendent pour vous conseiller, vous renseigner. Voilà, merci à vous. Merci mesdames. Je reste sur le thème de la jeunesse pour parler d'une opération qui nous est chère, initiée par l'Orchestre des Champs-Élysées, dont c'est le 10e anniversaire. C'est quand même pas rien. C'est bien sûr le chœur et orchestre des jeunes. Ce 10e anniversaire sera d'ailleurs parrainé par Malik Djoudi, notre Malik national. Donc je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, mais c'est quand même une très jolie idée. Et donc c'est vraiment un projet pédagogique d'importance qui a déjà permis à des centaines et des centaines de lycéens de monter sur la scène, de faire de la musique, accompagnés par des orchestres d'écoles de musique, des conservatoires de la région, tout ça encadré par des professionnels avec un chef pro. Très belle opération. L'Orchestre des Champs-Élysées, c'est évidemment aussi une programmation de 3 concerts cette année. Le premier, c'est une grande aventure, Beethoven, la Missa Solemnis, c'est un plaisir de la retrouver, œuvre gigantesque et accompagnée tout du long par le Collegium Vocal de Gand, qui reste, de mon point de vue, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur chœur d'Europe. Et ce sera dirigé par Philippe Hervègue en personne. Le second, c'est Schubert Mendelssohn, avec Francesca Dego au violon, à nouveau dirigé par Philippe Hervègue. Et le troisième, Saint-Saëns, le concerto numéro 5, dit l'Égyptien, avec Bertrand Chamaillot au piano et Vincent Varnier à l'orgue. Et c'est le très talentueux Louis Langré qui sera à la baguette. Christophe, je crois que tu as un jeune aussi à nous présenter. Oui, j'ai le plaisir de vous présenter Eliakim Senegas Lajus. Bonsoir Eliakim. Alors, je suis un peu jaloux parce que moi j'étais content, j'avais mis des motifs, mais en fait toi tu fais quand même beaucoup plus fort que moi, donc je suis un peu jaloux, on en reparlera. Alors, Eliakim, tu es ce que j'appelle souvent un enfant du tap, c'est-à-dire qu'on t'a connu tout petit quand tu fréquentais ici les ateliers de pratique artistique entre parents et enfants, puis tu as grandi. Souvent je te croisais, je me souviens, à Paris ou à Avignon à la sortie d'un théâtre. Tu as fait des études de théâtre, de danse, de musique au conservatoire de Grand Poitiers, puis tu as rejoint les SAD à Paris, et puis aussi l'école normale supérieure d'ailleurs. Tu es aujourd'hui metteur en scène, tu es directeur de compagnie, une compagnie qui mêle le théâtre et la danse, qui a un très beau nom d'ailleurs, le Théâtre au Corps. Et très bientôt, tu vas nous présenter, début octobre, ton deuxième spectacle, Épervier. Et c'est un spectacle très sensible. C'est un spectacle où ton point de départ, c'est un sujet qui est un sujet brûlant d'actualité, c'est le harcèlement scolaire. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, on s'est emparé d'un souvenir qu'on avait collecté lors de la création de notre premier spectacle. Et le souvenir d'une petite fille qui, en grande section de maternelle, à quasiment chaque récré, était forcée d'embrasser un garçon sur la bouche. Et c'est... Dans ce souvenir-là, on a voulu interroger qu'est-ce qu'il racontait, comment ça se faisait qu'en maternelle, il pouvait y avoir comment les imaginaires des enfants étaient déjà construits à ce point-là pour reproduire ces actes qui sinon racontent un peu notre société. Et donc c'est vraiment en fouillant dans ce souvenir qu'on tente de faire apparaître un peu nos constructions intérieures, nos constructions mentales qui viennent jouer et rejouer ce souvenir-là, qui ressurgit 20 ans plus tard. Parce que la pièce, elle se situe vraiment avec les protagonistes devenus adultes, et comment ils peuvent faire retour sur ce souvenir de maternelle. Et donc pour se plonger vraiment dans le passé, on travaille vraiment, donc, comme le disait Christophe, entre théâtre et danse. Et donc là, dans ce spectacle-là, la danse, on a cherché à aller chercher dans la mémoire corporelle, tout ça, comment on pouvait venir interroger ces choses par le corps quand les mots suffisaient plus par rapport à tout ce qui avait pu être dû dans ces 20 années-là.
Tu veux qu'on regarde quelques images alors ? Ce sera plus clair. Ok. Je crois que le truc à la base, c'est tout bêtement qu'un jour, il faisait plutôt beau. Elle avait joué avec Charlie près du mur du fond. Du coup, on avait dit qu'ils étaient amoureux. Des fois, il y a des mots que quelqu'un dit qui ouvrent quelque chose en soi et hop. On sent que ça bouge, qu'on colle au monde d'une manière un peu différente. Ce qui est vraiment très marquant pour moi, en tout cas dans ton spectacle, c'est comment tu arrives à aborder ce sujet, qui est un sujet compliqué, mais d'une manière aussi sensible et en jamais finalement en se jugeant, mais aussi en nous amenant à nous interroger sur nos propres regards, nos propres pratiques. Et ça, c'est vraiment très remarquable. Alors, avec le Méta, le Centre Dramatique de Nouvelle-Aquitaine, et je salue d'ailleurs Pascal Daniel Lacombe qui est dans la salle ce soir, nous avons décidé, le TAP et le Méta, d'unir nos forces, Jérôme l'évoquait tout à l'heure, dans un esprit de coopération, pour accompagner deux jeunes artistes pendant 2 ans. L'idée, donc unir ses forces, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mutualiser des moyens, mutualiser des compétences, mutualiser des réseaux pour soutenir des projets, faire en sorte qu'ils se développent et puis faire en sorte qu'ils soient visibles. Donc on a choisi et on a proposé à Penda Diouf, autrice et interprète, qui était sur ce plateau ici même il y a 1 an, et à Eliakim d'être les 2 premiers artistes de ce nouveau cycle d'accompagnement. Eliakim, j'avais envie que peut-être tu nous dises ce que ça, pour toi ça représentait en tant que directeur d'une jeune compagnie implantée ici à Poitiers. L'accompagnement, pour nous, la grande force de cet accompagnement, c'est qu'il soit sur 2 ans, parce qu'en tant que jeune créateur, c'est vraiment la partie dans laquelle c'est toujours compliqué d'approfondir ses recherches, d'approfondir ses actes artistiques, ses envies, tant qu'on est dans la recherche de la subsistance et du lendemain, alors que là, tout de suite, avec un accompagnement de 2 ans, ça permet de donner plus d'ampleur au développement de la compagnie sur des questions de fond et donc à la fois sur des enjeux de développement de réseau, comme le disait Christophe, de développement de structuration interne de la compagnie, d'approfondissement et de recherche artistique, et comme ces 2 structures qui sont à Poitiers, surtout d'ancrage local et d'approfondissement de cette installation-là qui est en émergence depuis quelques années, mais qui là va pouvoir vraiment prendre une autre ampleur avec de nombreux projets avec que je ne vais pas évoquer ici, mais et de nombreux partenaires sur les territoires. Donc pour moi, c'est vraiment là que ça se noue de manière intéressante et qui fait vraiment sens pour nous dans la durée. Merci Eliakim. Il y aura évidemment beaucoup de projets de médiation culturelle, mais pas que. Alors on a hâte du coup d'être à début octobre chez notre partenaire, le Centre d'animation de Beaulieu, pour découvrir Épervier. Merci Eliakim. Merci à vous, bonne soirée. Et qui dit travail avec la jeunesse et sur la jeunesse dit fatalement fête. On ne peut pas faire autrement. Et en l'occurrence, qui dit fête au TAP dès qu'on pense aux étudiants, mais pas que aux étudiants, on vous invite aussi à venir se joindre à nous et à eux, dit soirée rectangle. C'est le retour des soirées rectangle après 2 ans d'arrêt, pour les raisons que vous connaissez. Mais on a quand même fait la fête, hein. On a pu faire la fête d'accord parti, voilà, on a relancé les choses. Pour l'occasion, on transforme à chaque fois le bar de l'auditorium en vrai club. Donc ce sont les soirées consacrées donc, au clubbing, à la danse électro. Et la première de ces fêtes-là aura lieu donc, à la fin du mois de septembre avec deux jeunes DJ qui enflamment tous les dance floors et qui appartiennent à un collectif parisien qui s'appelle La Créole, qui est un collectif inclusif sur les questions LGBTQI et aussi des diversités. Et on aura donc, ce sera un collectif qui a tendance à plutôt organiser des soirées qui à chaque fois marchent très bien, c'est assez chaud, c'est assez bouillant. En l'occurrence, on aura Greg, un jeune DJ de 22 ans qui nous vient de l'île Maurice sur un set que j'ai découvert c'était au Transmusical à Rennes. C'était un de ses premiers concerts, enfin DJ set, c'était donc en décembre dernier, c'était juste phénoménal, on a tous eu envie de le programmer. Et Lazy Flow, qui lui du coup est à peine plus âgé, mais qui du coup balance comme ça des sets phénoménaux entre techno, dancehall, afro house, hip-hop, R&B, c'est à la fois très ouvert et très pointu comme musique et ça communique vraiment une fête énorme.
Et on enchaîne du coup avec Pongo, qui est une jeune musicienne, une reine, une déesse, je devrais dire, une artiste angolaise qui vit à Lisbonne. Pongo, c'est la star du kuturo. Le kuturo, c'est un genre musical qui est donc né à Lisbonne, de toute cette scène angolaise, qui mélange de manière assez intelligente et une musique hybridante, on va dire, qui mélange la techno et la musique traditionnelle angolaise. C'est chaud, c'est assez sexuel, ça marche à fond à chaque fois dès qu'on l'écoute, on a qu'une envie, c'est de danser. Donc Pongo, ce sera au Confort Moderne en novembre, et je pense qu'en novembre, c'est absolument tout ce dont on aura besoin, c'est d'avoir chaud avec Pongo. Et je pense que le mieux, c'est de regarder quelques images. Il n'y aura pas que cette belle musique pour se retrouver. Dieu sait que c'est vrai que ça donne envie. Pour se retrouver, penser et participer, qui est le troisième thème retenu de notre saison, avec l'humour, bien sûr, comment éviter l'humour. Et nous aurons le plaisir de réinviter Vincent Dedienne. C'est juste son second spectacle, hein, son second seul en scène. On le voit beaucoup à la télé, à la radio, au cinéma, au théâtre, mais c'est son second seul en scène. Vous vous souvenez, le premier, il parlait de sa vie, de sa jeunesse, bref, il parlait de lui-même. Et là, pour le coup, il repasse sous les fourches codines du stand-up à la française, des sketchs successifs. Il y a un peu de vitriol, c'est évidemment drôle. C'est quand même un délicieux jeu de massacre. C'est très écrit, c'est jouissif et délicieusement méchant. Plus sérieux, plus sérieuses, les rencontres Michel Foucault, toujours un bonheur à organiser avec l'Université de Poitiers. Et chère Corinne, veux-tu venir présenter les rencontres Michel Foucault avec moi ? Je te laisse parler des rencontres et moi je reviens sur le spectacle un peu phare de ces fameuses rencontres. Oui, donc les rencontres Michel Foucault, ce sont 4 jours cette année pour explorer le thème de la folie sous divers angles. Ce sont bien sûr des rencontres, des conférences, des tables rondes, des entretiens, mais aussi des spectacles, dont un à l'heure du déjeuner, des films et plein d'autres propositions artistiques proposées par nos nombreux partenaires. Ce sont aussi des invités de choix, le psychanalyste Roland Gori. Vous avez peut-être lu Un monde sans esprit, il va venir en parler. Voilà, par exemple. Et il y aura aussi un film, un documentaire qui lui est consacré, qui sera proposé au TAP Castille. Martin Aurel, dans un dialogue avec Michel Pastoureau sur les couleurs de la folie dans le monde arthurien. Génial, Michel Pastoureau, qui a écrit sur toutes les couleurs. Vous savez, quand même vraiment quelqu'un de passionnant. Dialogue qui ne va pas manquer de panache. Et puis, pour clôturer cette belle semaine, la présence de Lydie Salvert. Le programme sortira mi-octobre. Et je vous invite à vous le procurer, sans modération, évidemment. Merci. Et donc, des spectacles, il y a une lecture de Foucault en Californie par François Sabourin et, j'oublie son nom, Claire Bergeron, merci. Mais surtout, le spectacle des Chiens de Navarre qui reviennent, toujours aussi féroces et aigu, je ne sais pas comment dire. Pourquoi le spectacle des Chiens de Navarre est ici ? Parce que l'idée de ce spectacle est partie du film de Raymond Depardon, 12 jours, 2017, je dirais de mémoire, dont vous vous souvenez peut-être que c'est une série de dialogues entre des gens qui ont été internés d'office, et 12 jours, c'est le délai maximum avant lequel toute personne internée en hôpital psychiatrique sans son consentement doit être présentée à un juge des libertés. Donc cette série de face-à-face, accompagnée par l'avocat du détenu, est quelque chose de saisissant, filmé, vous connaissez le système de Depardon, en plan fixe. Donc le spectacle est parti de là. En revanche, eux, ils vont plus loin, ils débordent largement, de toute façon, on ne les a jamais tenus dans un cadre quelconque.
et ils explorent les fêlures intimes et les violences sociétales, réelles ou symboliques, susceptibles de faire basculer les gens vers la folie. Le casting est remarquable et très renouvelé. C'est nourri de cinéma, c'est plus politique que jamais, ça va décoiffer. Déjà une centaine de dates en France, il n'y a pas de hasard, vous devriez vous régaler. De la folie foucauldienne aux années folles, Bernard, je ne fais qu'un grand... Aux années là, oui, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a parmi vous des Josephine Baker ou des Gatsby magnifiques en herbe. Vous avez tous rêvé ou toutes rêvé, je pense, vous transformer comme ça l'espace d'une soirée, d'une folle soirée, en danseur des ballrooms des années 30-40 à New York. Bah, on vous l'offre. Ce sera ici même, encore une fois, tout à l'heure, je vous le disais, on aime bien un peu vous perdre dans le tap, donc on va transformer le plateau du tap. On l'avait fait il y a quelques années déjà, il y a 5 ans. On re-scénographie, on vous replonge direct dans l'ambiance de ces années-là et de ces bals effrénés, en l'occurrence avec le Big Band Umlaut, qui est donc un big band de 14 musiciens et 14 musiciennes qui aiment aller rechercher, défricher un petit peu de nouvelles partitions qui ont fait l'âge d'or du jazz de ces années-là. Et en l'occurrence, là, ils sont allés retrouver des partitions d'une compositrice noire américaine, Mary Lou Williams, qui sont absolument sublimes. Et donc, bah voilà. On vous invite peut-être avec un petit dress code, si vous voulez, à venir avec un plumeau, avec un petit chapeau. C'est l'occasion de faire la fête et je pense qu'on a tous besoin de ça. Et une autre façon de se réunir de manière beaucoup plus intime, cette fois-ci autour du joueur de kora magnifique, Balaké Sissoko. Balaké Sissoko, c'est peut-être le joueur de kora le plus talentueux, le plus aventureux, le plus curieux de la scène. En l'occurrence, tellement il aime justement confronter les sons ancestraux de sa kora, qui est la harpe mandingue à 26 cordes. C'est un virtuose de la harpe. Il aime bien mélanger un petit peu, jouer avec d'autres musiciens et musiciennes. C'est ce qu'il a fait sur ses deux derniers albums. En l'occurrence, il est allé demander à la chanteuse Camille de venir jouer avec lui. Elle est allée demander au violoncelliste Vincent Segal, qu'on connaît du coup beaucoup et avec lequel il a déjà beaucoup joué, mais aussi au rappeur Oxmo Puccino. Et Oxmo Puccino, il a dit une chose qui est très intéressante puisqu'il est lui-même d'origine malienne et il dit que Balaké Sissoko est à lui tout seul une histoire du Mali. Donc c'est peu dire, donc on sera en récital autour de Balaké pour écouter cet homme merveilleux. On a des petites images. Alors on vient de vivre un été historique, malheureusement. Les canicules se sont succédées, on l'a tous et toutes vécu. La nature et les êtres vivants ont souffert comme jamais. Alors peut-être que les plus climato-sceptiques ont fini par se résoudre à cette idée que ce fameux changement climatique était enclenché, que les dynamiques de transition, elles se faisaient attendre. Les artistes, ils ne sont pas étrangers à ces questions, depuis longtemps d'ailleurs. Certains sont très militants, d'autres utilisent leur art pour justement éveiller les imaginaires et proposer des nouveaux récits. On a eu envie au mois de mai de prendre un temps pour réfléchir à ces questions avec vous, avec les artistes, avec des associations et avec des spécialistes aussi. Donc il y aura du cinéma, il y aura des débats, il y aura des tables rondes, puis il y aura des spectacles, trois spectacles. Et Élise, tu vas nous présenter le premier. Oui, exactement. Je vais vous parler d'Aurélien. Donc Aurélien, c'est un spectacle de François Grémaud qu'on a accueilli ici l'an dernier pour Phèdre. Un spectacle que je crois nous avons tous plutôt à Poitiers beaucoup, beaucoup aimé. Donc Aurélien, c'est Aurélien au pluriel parce que c'est un spectacle qui en fait rejoue une conférence donnée à l'université de Lausanne par Aurélien Barreau. Aurélien Barreau, c'est cet astrophysicien très, très médiatique et qu'on reconnaît assez facilement puisqu'elle a des très, très longs cheveux bruns. Et il nous alerte très régulièrement sur les enjeux liés au dérèglement climatique. Et donc l'acteur qui donne corps et voix à cette conférence, c'est un autre Aurélien, donc Aurélien Patouillard,
Et donc le plateau est totalement nu, la mise en scène est très dépouillée, et tout le spectacle en fait repose sur la seule présence d'Aurélien Patouillard, qui par sa gestuelle et par tout un ensemble et tout un jeu de modulation sur le ton et la voix en fait déploie une interprétation très incisive qui déplace en fait ce discours scientifique dans un registre très sensible. Et voilà, je crois que le grand tour de force de ce spectacle, c'est vraiment parvenir à faire preuve de beaucoup d'esprit sans évincer pour autant en fait toute la gravité, toute la force mobilisatrice du propos initial d'Aurélien Barreau. Et je vais avec Ingrid, je crois qu'on va aller à la campagne, et avec un certain Philippe Ken. Exactement, Élise. Enfin, ce qu'il en reste de la campagne, puisqu'avec Farm Fatale, la vie a quasiment disparu à cause de la pollution. Alors je vous plante le décor, une ferme sans terre à cultiver, sans animaux ou bien en plastique. Même les chants d'oiseaux sont enregistrés dans Farm Fatale. Heureusement, au milieu de ce décor artificiel, cinq épouvantails militants comptent bien sauver notre planète. Et vous me direz comment ? Eh bien, à coup d'actions engagées et toujours joyeuses, radio pirate, groupe de rock ou encore slogan hilarant et l'inoubliable interview de la dernière abeille, Margaret. Farm Fatale, c'est une fable écolo, faussement naïve, bien plus politique qu'elle n'y paraît. J'ai eu la chance de le voir en famille, j'en garde un souvenir vraiment heureux, parce que ce spectacle, il est drôle et plein de poésie. Et le troisième spectacle, c'est aussi, on part aussi du côté de l'humour, parce qu'on a besoin aussi de l'humour pour aborder ces sujets. Entre le stand-up et la conférence, Sophia Théier, elle s'intéresse bien malgré elle à l'orchidée, parce que c'est une fleur qu'elle déteste, elle vous expliquera pourquoi. Bref, mais en s'y intéressant, elle découvre que ce végétal a réussi en fait à faire preuve de résilience, à s'adapter à tous les changements climatiques pour survivre et pour être encore là aujourd'hui. Vous verrez que toutes les digressions sont permises, mais c'est hyper documenté, c'est surtout très drôle. Alors on va regarder deux extraits, et puis oui, c'est la Maison des Trois Quartiers qui nous fait le plaisir là, d'un partenariat qui va accueillir ce spectacle, qui sera un très bon cadre aussi de proximité. On va regarder deux extraits, de la sexualité des orchidées d'abord, et puis une des chansons cultes des épouvantails de Farm Fatale. En Europe, on a trouvé ça bon, la vanille. Et donc, on a pris toutes les orchidées vanille, les vanilla planifolia qu'on trouvait quand on voyageait beaucoup à cette période-là, on prenait tout ce qu'on aimait bien. Et donc, les Européens, ils ont pris toutes les orchidées vanille et ils les ont toutes envoyées sur l'île de la Réunion en se disant on pourra en manger plein et en plus, on pourra les revendre hyper cher, y compris aux pays auxquels on les a volées. Et ils trouvaient que c'était une bonne idée. Et donc, ils ont planté toutes les orchidées vanille sur l'île de la Réunion. Et ensuite, ils ont attendu qu'elles fassent des gousses. Mais ils avaient pris que les orchidées vanille. Ils n'avaient pas pris l'insecte qui servait à féconder la vanille. La légende veut que ce soit un esclave qui, à l'âge de 12 ans, a trouvé comment... il a fait ce que j'ai fait là, en fait. Et il a réussi à remettre le truc jaune dans l'eau verte. Et ça a fait une gousse. Et tout le monde a crié « Eureka !» Et ils se sont tous mis à féconder manuellement les vanilles. On voit bien depuis tout à l'heure que les végétaux ne créent des odeurs, des couleurs, des parfums et des saveurs que dans le but d'attirer d'autres espèces qui viendraient assurer sa fécondation. Et là, on se retrouve, nous, l'espèce, à féconder manuellement la vanille, en se pensant malin hein, en plus. En se disant, pas con. Voilà. Les blabla tapes. Alors, ce Covid, il ne nous a pas beaucoup aidé pour nous rapprocher. Et nous avons du coup eu envie de mettre au cœur de notre action le vivre ensemble. Nous avons souhaité penser avec vous les manières de penser la société, en toute modestie. Nous avons donc ouvert un cycle de blabla tapes, des discussions dans le bar auditorium, pendant lesquelles la parole de chacun, bien sûr, sera respectée.
Nous vous invitons à nous rejoindre, donc autant les associations que les individuels, l'idée étant de vous entendre chacun, de partager et de penser ensemble. On veut vous donner la parole, à vous, à vos voisins, aux spectateurs, mais aussi aux non-spectateurs, aux artistes aussi. Et tout ceci va se passer sur trois sujets que nous avons choisis, trois sujets de société. En novembre, nous commencerons à échanger autour de vivre et vieillir ensemble. Nous aimerions relever les différentes formes de solidarité que nous pouvons observer entre les générations et discuter des représentations de la vieillesse. En février, le Blabla Tap, avoir 20 ans aujourd'hui, interrogera la relation des jeunes et du travail. Nous échangerons sur les nouvelles attentes et les initiatives ou modes d'organisation qui en découlent. Enfin, en mai, le Blabla Tap sera donc pendant le temps fort dont viennent de parler mes trois collègues, le temps fort écologie. Et donc, le Blabla Tap, transition écologique, interrogera la notion de transition, compatible ou non avec l'urgence climatique. On vous y attend nombreux. Merci Manu. Urgence climatique, toujours, on continue. Il y a des artistes quand même qui se posent des questions, qui réfléchissent et qui apportent, qui essaient en tout cas d'apporter des idées, si ce n'est des solutions, à leur petite mesure. En l'occurrence, c'est le cas avec ce projet Jojoni, qui veut dire peu à peu en japonais, petit à petit. C'est le projet d'un percussionniste, Stéphane Garin, qu'on avait déjà accueilli, qui nous avait remonté Help Mass de Moondog dans l'auditorium avec un gros effectif. Cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Il revient donc sur un projet complètement décarboné, un trio, non amplifié, sans lumière. Il se déplace à vélo et ou en train, en tout cas pour venir jusqu'à Poitiers. Et ensuite, on a organisé avec eux une tournée de 3 dates. Et donc l'idée aussi, c'est non pas que vous alliez systématiquement faire des kilomètres en voiture pour venir les voir, mais d'aller les voir puisqu'ils viennent au plus près de chez vous. En l'occurrence, on aura 3 dates. Une date à Rurart avec les partenaires donc de Rurart à Rouillé. Puis une date aux usines, donc à Ligugé. Et enfin, nous finirons cette petite tournée décarbonée au Palais, en plein centre-ville, donc dans cette magnifique salle où je pense que la musique de Stéphane Garin et de son trio fonctionnera à merveille. C'est un geste précieux que ces musiciens-là nous offrent. Donc si vous avez envie de les suivre en vélo, pourquoi pas, ou en covoiturage, en tout cas, ça c'est l'idée, allez-y, on vous y encourage. Des petites percussions, ben voilà, j'ai fini. Pas d'extrait ? Non, il n'y a pas d'extrait, parce que le mieux, c'est de vivre encore une fois cette chose-là en live. Merci Bernard. En matière de retrouvailles, ces deux-là se sont vraiment retrouvés. Ils ont dansé ensemble chez William Forsythe, mais ils viennent vraiment d'univers différents, d'une part par leurs origines personnelles, mais un est vraiment un danseur Bregel, qui est à votre gauche, et danseur classique contemporain, passé chez Forsythe dans d'une dextérité, d'une virtuosité folle, et l'autre, Rauf, Rubber Legs, jambe de caoutchouc, qui vient du hip-hop et du break. Son nom le dit de lui-même, et il décide, sous la haute bienveillance de William Forsythe in person, de créer un duo où ils ont envie, où ça joue de façon magnifique. C'est espiègle, c'est très fluide, et ça a vraiment de la gueule. Quand des gens qui voyaient sur leur maturité artistique décident de faire quelque chose, ça, c'est souvent très beau. Un musicien en live les accompagne, il s'appelle Roussan Filicek, vous l'avez vu ici, nous l'avons enregistré, filmé, nous vous l'avons montré en concert. Il est kurde et il fait une très très belle musique. Et voilà, c'est lui qui les accompagne autour du monde et nous n'y sommes pas pour rien. Nous avons des images. Oh,
Alors chaque année, des dizaines d'artistes viennent répéter dans les studios, dans les salles du TAP pour préparer une nouvelle création, pour enregistrer un nouveau disque. L'équipe de Neighbours qu'on vient de voir, ils étaient là en janvier dernier, ils ont passé 10 jours dans la petite salle à côté pour préparer ce spectacle. Et cette saison, c'est plus de 150 jours qui sont consacrés à ces activités de création, de résidence. Alors comme dans tous les théâtres, la plupart du temps, c'est des activités qui sont invisibles. Et on a eu envie, avec l'accord des artistes bien entendu, de vous permettre de venir être les témoins et découvrir ces moments de création. Pour cela, bien sûr, les artistes vous ouvrent les portes de leur résidence. Ce sera des rendez-vous gratuits qui dureront 45 minutes au maximum. On a commencé la semaine dernière avec Amandine Beyer et puis il y aura 7 autres rendez-vous qui sont prévus. Ils sont affichés derrière moi. Ce sera en théâtre, en musique classique, en musique traditionnelle et puis en danse également. Vous retrouvez tous ces rendez-vous, page 106 dans la brochure et puis sur le site, bien entendu. N'hésitez pas à les suivre. Le king de la techno française est de retour, en l'occurrence Arnaud Robotini, que vous voyez ici avec sa belle moustache. Nouvel album pour lui, pour celui qui depuis plus de 20 ans est devenu le spécialiste des synthétiseurs, et des synthétiseurs qui foudroient de ses sets quiconque assiste à ses concerts. On ne peut pas résister. Un set d'Arnaud Robotini, c'est quelque chose. Il a été césarisé, peut-être que vous le connaissez, même si vous n'êtes pas des gros fans de techno, mais vous le connaissez sûrement puisqu'il a été césarisé pour la BO du film 120 battements par minute. Il a signé aussi la production du dernier album du groupe Feu Chatterton, dont je parlais tout à l'heure. Et il revient cette année encore une fois avec le cinéma qui lui fait définitivement les yeux doux puisqu'il signe la bande originale du film de l'icône du cinéma de genre, du giallo, du cinéma italien, Dario Argento. Rien que ça, c'est quand même un mythe. Il croule sous les sollicitations, ça vous l'aurez compris. Mais il revient à ses premières amours, en l'occurrence la chaleur du dance floor et la fièvre du concert. Ça sera ici, sur le plateau du théâtre, avec tout le monde autour. Quatrième et dernier thème de notre saison, d'une saison au féminin. Alors une saison au féminin, c'est-à-dire en effet une saison qui est portée par des projets, des spectacles qui sont portés par des femmes et avec des femmes, mais c'est aussi des projets qui parlent de spécificités féminines, de sujets spécifiquement féminins, pour le meilleur ou pour le pire parfois. Carmen Cour d'Assises, porté par Ars Nova, est un projet lyrique, un spectacle lyrique et sûrement poignant, parce qu'il est en pleine création, qui croise la partition de Bizet à celle de Diane Sow dans une mise en scène d'Alexandra Lacroix. Ce spectacle va poser une question qui n'est pas posée évidemment dans le livret de Bizet. Vous vous souvenez que Don José tue Carmen par amour, et ce qui est la question bien sûr du féminicide. Et le spectacle nous installera dans la position du juré. Louis, je crois que tu veux nous parler de femmes aux noms incroyables. Tout à fait, Jérôme. Je vais vous parler de trois artistes qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Tout d'abord, Jeanne Haddad, qui nous avait déjà ébloui avec son solo performance Both Sides. Elle revient avec son troisième album Bioside, qui va bientôt sortir, plus intimiste, mais toujours envoûtant. Elle revient sur scène avec 7 musiciens cette fois pour un show qui promet d'être très puissant, autant que sa voix. Ensuite, on va accueillir November Ultra, une artiste montante à la voix si douce et mélancolique. Elle nous offre une folk vaporeuse et tendre. On la retrouve sur une sieste musicale avec un set piano-voix sur mesure pour l'auditorium. Une voix qui berce mais qui transperce aussi les plus durs des carapaces. Enfin, Pomme revient avec un nouvel album Consolation pour se concentrer sur ce qui fait du bien. Après le succès des Failles, cet artiste à la voix bouleversante et aux paroles intimes rayonne avec joie et maturité. Thank you.
Un spectacle parmi les plus réjouissants que j'ai eu l'occasion de voir et le plaisir de voir cette année, c'est Le Périmètre de Denver. C'est un spectacle signé par une artiste multitalent, Vima Laponce. Elle est comédienne au cinéma, elle est aussi musicienne, elle est circassienne et en tant qu'artiste de cirque, justement, sa spécialité, un peu folle, c'est de porter des objets volumineux et très lourds sur sa tête en équilibre. Dans le spectacle d'avant, Grande, elle portait un frigo. Dans celui-ci, elle va porter une voiture, donc rien ne l'arrête. Elle a inventé pour ce spectacle une sorte de Cluedo, une enquête policière qui se passe dans un hôtel de thalassothérapie. On est à Brighton. Et un meurtre a été commis. Donc on va brosser le portrait successif de sept personnages. Sept personnages qui étaient tous présents au moment du meurtre. On va essayer de comprendre leur mobile ou leur alibi. Vima Laponce, elle va interpréter tous ces personnages. Grâce à des masques, des postiches, elle transforme aussi sa voix. Sa performance est vraiment incroyable. Et le premier des sept personnages, en fait, vous le connaissez, puisque c'est Angela Merkel. Il se trouve qu'elle était, par hasard, en vacances dans cet hôtel de thalassothérapie. Bon, par contre, on n'imaginait pas vraiment un jour voir Angela Merkel sur scène faire un striptease, donc ça, vous verrez. Là, on va regarder un teaser, on ne voit pas le striptease, mais c'est un teaser qui présente le portrait des sept personnages. Qui est-elle? Qui sont-ils? Que s'est-il passé? Que cache-t-elle? Qui a tué qui? Que porte-t-il? Qui est la victime? Qui dit la vérité? Protège qui? Quels souvenirs sont les bons? Donc, des petites phrases courtes, ma chérie, c'est un spectacle tout en délicatesse pour lequel la proximité du plateau B sera la bienvenue. On vous y ouvre une fenêtre sur la relation entre une femme d'âge mûr et sa mère en EHPAD. À la fois tendre et profond, le texte de Pierrette Fleutiot prend chair à travers la voix et les corps dansants de Céline Agnel et d'Odile Azaguri, en vous proposant une plongée au cœur de leur rapport à la fois fusionnel et douloureux, empli de l'ombre d'un départ imminent. La mise en scène de Céline Agnel matérialise une transformation de l'espace au rythme de la vie qui s'écoule et nous transporte dans un sujet qui nous touche tous individuellement et collectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'inaugurer les blabla tap autour de ce spectacle et du thème « Vivre et vieillir ensemble » le vendredi 18 novembre. Merci Lola. Alors non, je ne vais pas vous jouer du piano, on va éviter. Voilà une soirée qui me tient vraiment particulièrement à cœur, en l'occurrence une soirée 100% féminine avec deux groupes. Le premier groupe, donc un quintet oriental Atine, un concert de musique persane. Voilà, cinq musiciennes iraniennes, libanaises, palestiniennes et une française, Marie-Suzanne Deloye à la viole de gambe, réunies autour de la voix puissante de la chanteuse iranienne Aïda Nosrat. C'est un concert absolument à ne pas manquer, ce sera dans l'auditorium, un écrin magnifique pour cette musique classique persane. Il y aura aussi dans cette même soirée un duo donc, voilà, qu'on aime beaucoup puisqu'elles étaient déjà venues faire danser lors d'un bal de musique traditionnelle ici. Mais cette fois-ci, ce sera en concert et en duo. Donc, c'est le duo Koukaania qui fait sonner avec fureur et sensualité les polyphonies occitanes des Pyrénées. Voix, tambourin à cordes, sonne comme un beat de house, ça fait vraiment danser et fait entrer la tradition dans la plus belle des modernités. Oh, Lord, in the day.
Et enfin, je vais vous parler de Pauline Bell. Pauline, elle aime mettre en scène des grands textes de la littérature. Elle a notamment travaillé sur l'Iliade et l'Odyssée. Chacun faisait une heure et demie, autant dire qu'elle aime les challenges. Dans son travail, le jeu d'acteur est vraiment central et souvent les comédiens jouent plusieurs personnages à l'aide de costumes, d'accessoires ou d'éléments de langage. Cette fois, elle s'attaque à Balzac, où on va avoir une mise en scène avec beaucoup de surprises et une très grande proximité entre les acteurs et le public. C'est l'histoire de Lucien, un jeune poète de province rongé par l'ambition, qui monte à Paris pour tenter sa chance. Finalement, il se retrouve contraint à écrire des articles pour gagner sa vie. Ça ne se passe pas très bien et le monde du journalisme au 19e siècle le manipule et le déçoit énormément. C'est une véritable pièce chorale avec une adaptation nerveuse, une direction d'acteur impeccable et une vraie clarté de la langue. Malgré le nombre important de personnages, on ne s'y perd pas. Sur le plateau, quelques chaises et quelques accessoires pour laisser la place au texte et à l'engagement total dans le jeu d'acteur. Tu pourrais devenir un grand écrivain, et tu ne seras jamais qu'un petit farceur. D'ici 5 mois, je vous aurais donné plus d'argent pour les critiques que vous ferez que si aujourd'hui j'achetais votre poésie invendable. Tu veux prendre ta revanche? À tout prix. Alors écris un article qui démolisse la seconde édition du roman de Raoul Nathan. N'en déplaise aux anciens de la vieille garde, la littérature nouvelle est en marche. Ce ne sont pas tes amis, Lucien. La seule chose qui compte, qui vaille la peine qu'on se batte, c'est nous. Voilà, là ça marche. Bah, pour le dernier live de cette soirée, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir et d'avoir avec nous ce soir Frederica Stahl. Je vais l'inviter à venir nous rejoindre au piano. Et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir. Ooh.
your song. Remember them all for, you know, there's no world to come, there's no world to come. Merci beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle The World to Come et qui parle de notre planète. Voilà, c'est une chanson que j'ai eu l'honneur de composer pour un film qui s'appelle Demain, sur les solutions écologiques. Donc cette chanson-là est très déprimante, mais le film est très positif. En parlant de mélancolie, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très sensible. Et en tant qu'enfant, pour moi, c'était un énorme handicap. Et je peux dire aujourd'hui que la mélancolie, c'est ma plus grande source d'inspiration. Donc, je le vis beaucoup mieux. Et j'ai écrit une chanson, justement, sur, sur ça. Mon hommage à la mélancolie. But they're wrong, I'm more than fine. Most people defer the good from bad. Bittersweet is my constant state of mind. I feel my heart twist and turn, but I feel it beat. I let my skin stink and burn, but I sense the heat. Take a deep breath, then dive. Some people think I cry because I'm sad, but they're wrong. Take a deep breath,
then dive. Sad, but they're wrong. I'm more than fine. Bitter sweet is my constant state of mind. Merci, waouh, 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 merci beaucoup Frédérica. On se marrait un peu tout à l'heure parce que je lui disais qu'elle faisait un lumineux blues scandinave. Et c'est vrai, parce que Frédérica est donc suédoise. Et ben, merci beaucoup pour ce live en tout merci. Cas. Et moi j'avais envie de t'entendre un petit peu parce que tu as déjà 4 albums à ton actif, toujours avec des musiciens autour de toi, des producteurs. Mais là, tu reviens du coup spécifiquement pour nous sur scène. Ce sera dans une soirée croisée avec Bertrand Belin, au piano, sur un piano-voix. Est-ce que tu peux me parler un peu du rapport que tu as à cet instrument, le piano qui te va si bien? Ah, merci, c'est gentil. Bah, surtout ce piano, il est quand même... Ah, c'est pas mal. C'est pas tous les jours. Hein. Alors oui, c'est vrai que... Pour moi, le piano, donc je suis autrice-compositrice et c'est vraiment, c'est là que ça commence. Et c'est vrai que j'ai fait des albums qui ont pris des directions un peu différentes. Je suis passée par du jazz, après par de la pop ou un peu plus pop électro. Et au fait, pour moi, ça, c'est le plus important. C'est là que je compose et... Moi, je travaille un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que je ne vais pas être en train de produire avant d'avoir fini la chanson. Je suis au piano jusqu'à ce que j'ai la chanson qui fonctionne du début à la fin, parce que pour moi, une chanson qui marche en piano-voix ou en guitare-voix, c'est une chanson qui... Elle existe, tient, elle est là, voilà, elle tient. Qui tient oui. Et qui est entière. Et du coup, c'est assez génial, parce qu'après, on passe par des phases d'arrangement et de production, et sur scène, on peut avoir plein de musiciens ou des ordinateurs et plein de choses. Et de revenir au piano comme ça, c'est toujours... on retrouve le... Ouais. C'est super. En tout cas, donc je le disais tout à l'heure, une soirée avec Bertrand Belin. Et c'est pas pour rien, parce que du coup, lorsque nous avons programmé le concert de Bertrand Belin, on avait l'idée de lui confier une carte blanche et donc d'inviter un ou une autre artiste. Et tous les deux, en fait, on avait le même nom en tête, c'était celui de Frédérica Stahl. Donc c'était un peu une même famille, puisque du coup, vous avez un peu le même management, un peu le même personnel qui travaille autour de vous et qui vous aide. Et je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette filiation, notamment avec cette scène de Bertrand Belin ou d'autres musiciens? Ah bah c'est un artiste que j'adore, donc je suis très très contente de faire ça avec lui. Alors moi je suis suédoise, donc j'écris en anglais, hein, dans toute logique. Mais c'est comme ça, hein, Abba, Ace of Base, on fait tout ouais. ça. Mais on m'a souvent demandé de chanter en français. Mm-hmm. Et j'ai souvent refusé, parce que j'ai commencé très jeune et que pour moi... j'avais très peur de perdre le contrôle si je ne restais pas autrice-compositrice. Et donc, dès quand j'ai signé très jeune en maison de disques, et tout de suite, on dit, ouais, il faut que tu chantes en français, il faut que tu chantes en français. Et j'ai eu un refus, rejet complet, parce que je voulais chanter mes chansons. Et je pense que maintenant, bon, ça fait... j'ai sorti mon 5e album maintenant, et c'est la première fois que je sens que j'ai le besoin et l'envie de chanter en français. C'est aussi, cette envie est née parce que j'ai eu la chance de travailler avec Dominica sur une chanson sur mon dernier album. Et du coup, ça a déclenché un peu... j'en ai pas du tout parlé, donc vous êtes les premiers à qui je raconte ça, mais je suis donc en train de préparer un projet en français. Et peut-être avec Bertrand Belin. Ah voilà, et donc, puisque je n'écris pas en français, ce qui est génial, c'est justement ce qui m'intéresse aussi, c'est les rencontres, parce que je travaille de manière très isolée sinon, et là, donc j'ai, entre autres, la chance d'avoir un texte de Bertrand sur cette... En tout cas, on a voilà. hâte vraiment d'être en janvier. On ne le dit pas souvent ça, mais en septembre, de dire on a hâte d'être en janvier, mais là, en l'occurrence, on a hâte d'être en janvier pour vous écouter tous les deux. Bah, merci beaucoup Frédérica d'être venue. Merci à vous. Merci. Tac, tac.
Merci Frédérica, merci Bernard. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bon, chère Véronique, charge à nous de terminer cette soirée parlant de choses triviales, l'argent. Mais t'es un peu vénale d'ailleurs comme femme. Oui, j'aime ça, je suis désolée, mais bon. On vous espère en tout cas très nombreux cette année dans nos salles. Et justement, il va falloir parler de date d'ouverture, attention. Donc demain, vendredi 16, nous ouvrons les ventes sur le net, donc à partir de 10h. Ne vous précipitez pas, pas même comme ça, toi, pas comme moi, je viens de glisser vite fait. Non, vous avez toute la journée, il y a plein de spectacles. Certes, certains sont peut-être plus rapidement complets que d'autres, mais il reste plein de place sur toute la saison en général. En tout cas, juste une petite indication à vous rappeler, votre identifiant sur le net, c'est votre adresse mail. Et une petite nouveauté cette année, vous pourrez payer en 2 fois sans frais à partir de 80€. Voilà, c'est important quand même à signaler à cette époque. Ensuite, les ouvertures au guichet. Donc ça sera samedi 17 septembre à partir de 9h30. Donc là, il faut s'inscrire, en tout cas, il fallait s'inscrire sur une plateforme depuis début septembre afin de ne pas attendre. Voilà, l'inscription sur une plateforme est plus appréciable. Malgré tout, bon, il reste quelques places encore. Il y en a peut-être qui se relibéreront demain pour des personnes qui avaient prévu en cas où et qui auront pu avoir des places sur Internet. C'est important de le préciser. Il y en a toujours qui se libèrent demain. Et puis, de toute façon, vous pouvez quand même venir nous voir. Nous serons là. Il y a des personnes qui, comme moi, n'ont pas de rendez-vous et pourront peut-être vous faire passer. Et on ne sait jamais entre deux rendez-vous s'il y avait quelques places. Au niveau politique tarifaire, et oui, il faut en parler, pas de changement, on essaie toujours d'être vigilant à ça, pas d'augmentation non plus, toujours pour les plus gourmands, les deux cartes, la carte TAP à 15€ qui vous donne déjà une première réduction, et puis si vous souhaitez avoir encore plus de spectacles, la carte TAP à 30€ qui vous donne encore une réduction encore plus basse. Des passes que vous pourrez découvrir aussi pour accompagner toutes les propositions sur certains week-ends ou sur des soirées à thématiques. Voilà. N'hésitez pas à venir voir l'équipe d'accueil, hein, Fabienne, Alexandre, Nicolas, que vous voyez toute l'année, Agnès aussi, qui peuvent vous renseigner, vous guider au mieux. Et puis on est là toute la saison, tous les soirs. Si des spectacles étaient complets à un moment donné, il y a des listes d'attente qui fonctionnent très très bien. Il y a le soir même sur place. N'hésitez pas. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, vous avez été extrêmement attentifs et je vous en remercie. Je veux remercier aussi tous ceux qui, dans l'ombre, les techniciens sont occupés du son, de la lumière, de la musique, de la vidéo, de l'installation intérieure et extérieure. Merci à toute l'équipe de présentation. Merci à toi, chère Véronique. Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas que le bar est ouvert derrière nous. Il n'est pas encore réaménagé, mais il est ouvert. Cizou, que je vous ai présenté, est là. Et un DJ set de Plexus Records nous attend. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Ne me lâche pas la main, c'est la fin.